Les scènes que j'ai le plus aimées, moi, c'est une scène... Après des années de réflexion, de doute et de remise en question, Houssein Narguey présente officiellement son nouvel ouvrage « Ouayen Dimatuyé », un titre fruit d'un jeu de mots de prévalence de la triple culture sénégalaise, mais aussi et surtout un besoin de mettre en avant la rémunération de la musique sénégalaise. C'est un titre qui est venu de lui seul à la fin de la rédaction du livre, mais simplement après, comme c'est une histoire, celle qui est racontée dans le livre, de chasse à l'homme, contre le héros. Donc c'est comme ça que le YND m'a tué, avec la faute d'orthographe s'est imposée, parce qu'il y a dans la culture populaire universelle un fait divers français avec un jardinier du nom de Omar Radad, dont l'employeur avait été assassiné et elle avait écrit avec son sang « Omar m'a tué » avec « ER » à la fin « a tué », ce qui était une faute d'orthographe. Donc c'est un peu ça qui a justifié le « YND m'a tué ». Et le « YND », c'est un peu une altération de « YND » qui viendrait de « Woy » entre « Woy chanté » et « YND chantonné ». Un ouvrage romanesque qui met en avant des thématiques sociétales d'envergure. C'est le thème de l'amitié d'abord, qui peut naître des rapports professionnels. Il y a le thème de l'amour, qui est aussi un aiguillon professionnel, mais aussi de la vie personnelle. Il y a celui de la mort sociale. La mort sociale qui est un aspect sociétal dont nous avons très peur dans notre culture, souvent plus peur même que de la mort physique. Il y a enfin, je ne veux pas être très long, mais le thème aussi de la politique et de la recherche du pouvoir temporel est abordé dans ce livre-là. L'expert en ingénierie culturelle de formation incite les jeunes à la lecture afin d'avoir une vision et une réflexion plus large des enjeux du monde. Le message que je lancerai, moi, à des personnes qui sont dans une institution d'éducation, c'est de se cultiver parce que